Les amis, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur Splinter Cell Double Agent. Alors, c'est que je vous explique déjà vite fait. C'est un jeu que j'aurais dû vous faire normalement avant Conviction, parce que c'est un jeu qui est sorti avant. Mais j'ai eu un souci avec le son, il n'y avait pas de son. Je pouvais relancer le jeu à chaque fois il n'y avait pas de son. Du coup, je vous ai fait Conviction. Et puis bon, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a déjà pas pu faire Pandora Tomorrow, alors c'était con qu'il y en ait un deuxième qu'on puisse pas faire. Je voulais essayer de me pencher un peu sur le problème, et au final, je l'ai désinstallé, réinstallé, et là, tout fonctionne. D'un côté, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise installation? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, parce que j'ai installé exactement pareil, donc peut-être un petit bug au niveau de l'installation, j'en sais rien. Alors, du coup, donc on va commencer une nouvelle partie. On va se mettre en normal, allez hop. Alors, c'est un Splinter Cell assez différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, ou même de ce qu'on verra après. Je vais y revenir après, on va attendre la cinématique de départ. Et une fois que le gameplay... dès qu'on pourra commencer à jouer, je vous expliquerai tout à ce moment-là. Et puis il nous en restera un à faire de Splinter Cell après, mais je le ferai pas tout de suite, je le ferai plus tard. Ça nous évitera d'enchaîner 3 Splinter Cell à la suite. Ok, donc alors je vous disais que justement un Splinter Cell un peu différent parce que comme son titre l'indique. Fisher, nos sources parlent d'une activité suspecte dans le secteur. Mais contentez-vous d'une simple reconnaissance. Pénétrez la centrale via les canalisations à la base du lac. Tous les détails sur votre montre terminale. Comme si c'était fait. Comptez sur nous, monsieur. Alors, j'adore, il arrive à parler dans l'eau, il a pas de bouteille d'oxygène et on n'a pas. De barre d'oxygène de respiration. Donc oui, je vous disais que c'est un Splinter Cell qui est assez différent parce que donc comme son titre l'indique, double agent, en fait on va avoir des choix à faire et ces choix auront une conséquence sur la fin du jeu. Il y a 3 fins de jeu disponibles. Il y a deux gardes en patrouille. Débarrassez-vous d'eux en douceur. Et alors voilà, Jean Fisher, vous n'auriez pas fait mieux. Alors, bien évidemment, je vais pas vous faire... Je ne vais pas vous faire toutes les fins différentes, mais... Tout va bien ? Affirmatif. Je croyais qu'on était en mission d'observation. Il y a eu quelques changements. Quel changement, Robert ? Ouais. Les douanes nous ont informé de l'arrivée de plusieurs terroristes islamistes sur le sol islandais. Toutes les pistes mènent à ce complexe. Dans ce cas, il faut évacuer Junior. Il n'a pas été entraîné pour ce genre de situation. Il met nos vies en danger. Impossible. Il est trop tard. Poursuivez la mission. Couvrez-le. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les fins différentes. Par contre, je vais faire en sorte... Normalement, Sam Fisher est un agent de la NSA. C'est de là que tout a commencé. Il était recruté par la NSA. Donc, je vais faire en sorte d'être du côté de la NSA. Je vais suivre la logique. Oh, lui, il pionce.
Et je vous ferai pas les trois fins différentes, hein, bien évidemment. Alors, clôture électrique. Tiens, A. Nous avons une faille importante dans le système de sécurité, mais on s'en fout. La clôture électrique sous tension permanente pour éliminer les intrus, peu importe si ça crée des interférences avec l'écran de vos portables. Je vais vous dire un truc. Si vous éteignez encore une fois la clôture au poste de garde, je flingue le contrevenant et son portable avec pied pigé. Il y en a qui est pas content. Mais. Ok, bah la clôture. Alors, a priori, on coupe le courant, donc ça doit être ça. Ok. On va suivre les infos de Lambert. Hein, on va pas. Ah, il est là, lui. Donc, voilà, regardez. Petite particularité aussi. Hop, voilà. Et en fait, je l'aide à monter, un coup il m'aide à monter, non c'est sympa, on s'entraide comme ça, c'est un jeu qui est assez cool par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est un jeu en coopération, il est génial parce que vous pouvez jouer à deux. Et le fait de jouer à deux, bah, cette entraide là, c'est génial quoi. Voilà, donc, vous voyez j'ai la barre de la NSA. Donc là, je suis du côté des NSA, mais pour le moment, j'ai que ça, donc... Vous voyez, Lambert, ok. D'entrer par devant. Il doit y avoir un accès dans le toit via le système de ventilation. John, j'ai une mission spéciale pour vous. Ok. Vous devez désactiver le système de ventilation près d'entrée principale pour que Fisher puisse pénétrer dans l'usine. Merci. Attention, il y a les deux conos, là. Alors, par contre, est-ce que je peux faire une sauvegarde? Oui, je peux faire une sauvegarde. J'ai pas besoin d'attendre les checkpoints. Je peux faire une sauvegarde directe. Ok. J'entends une caméra, non? Attends. Il est où? Il est là, il va aller où? Ce serait bien que tu passes en dessous, comme ça je te saute sur la gueule. Ouais, super. Voilà. On va essayer de le planquer, lui, là, parce que... par contre, je vais le planquer où? Tiens, dans le conteneur, là, viens voir. Et puis, il y a l'autre qui est juste là. Par contre, il y a un truc qui s'allume là, non? Mine murale, ok. J'ai besoin d'un petit renseignement. T'accèdes là-bas? Oui, bonne idée. C'est 1-9-7-7. Pitié, ne frappez pas. 1-9-7-7, d'accord. Alors, je suppose que c'est le code qu'il y a ici. Alors, par contre... Putain, il y a encore un type là-bas. Alors, je vais déjà aller voir parce que j'ai vu qu'il y avait un endroit où je pouvais aller, là aussi. Et je crois qu'on aura des choix aussi par rapport aux mecs. Quand on les interroge, on peut soit les buter, soit les assommer tout simplement. Et ça va avoir son influence aussi sur le... Sur les choix entre la NSA ou l'autre. Voilà, je sais plus c'est quoi l'autre. Ok, dégage. Un ordi là, viens voir. Ouvrir le portail, tiens, viens voir. Ok. Donc là, tu se demandes ce qui se passe. J'ai même pas besoin d'entrer le code au final, tu vois. Il est là. Alors, je vais refaire une petite sauvegarde quand même.
Parce que si je suis... Putain, il y en a encore un au fond, là. Ventilation désactivée. Fisher, vous avez 10 minutes. Bien joué. Restez où vous êtes et couvrez Fisher. Il est bigleux l'autre ou... Ok. Vas-y, je vais monter là. Est-ce que je peux directement... Attends. Il y a quoi là-haut? Ah, il y a un tuyau. Ah bah tiens, je vais passer... Je vais voir si je passe pas le tuyau. Parce que je... peut a priori monter l'escalier. Ouais, mais il y a un mec, donc ça serait trop risqué. Attendez, l'entrée principale est dégagée, ce sera bien plus rapide. Je vais vérifier. Je répète, couvrez Sam et restez en position. John. John, répondez. Sam, traversez la ventilation avant qu'elle ne se referme. Qu'est-ce qu'on fait pour John? Prions pour qu'il ne grille pas votre couverture. Donc l'autre, il s'est fait prendre, tiens, alors. Donc ça doit être là par le système de ventilation. Oh, il y a une sauvegarde de fait, ok. Alerte, nous avons un intrus. Alerte, nous avons un intrus. Oh, il est là, l'autre blaireau, là. Bon, bah voilà, il s'est fait buter. Attends, je vais... où? Là. Bien, alors. Il y a un mec là. En position. Lambert, je vois un missile. Il est armé et sur le point d'être lancé. Assistance technique. Je vous vois sur l'écran. Oh oh. Vous n'avez pas assez de temps pour désarmer le missile. On n'a pas le choix. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut saboter le système de lancement. Mais ça fera exploser le missile sur son pas de lancement. Combien de temps? Alors, missile, il y aura le missile. 60 secondes, maxi. Allons-y. Ok. Alors, ouvrez d'abord l'écoutille d'accès au missile. La valve d'ouverture manuelle. Ah, bah c'est ça alors. Sous l'écoutille à la surface du missile. Maintenant, piratez l'ordinateur de lancement du missile et brouillez le système de détachement. Ensuite, partez le plus vite. Un possible. Ascenseur là. Il est où le. L'ordinateur de. Ah, bah ça doit être ça alors. Et alors, je vais aller. T'es marrant toi, attends. Hein. Toi dégage, c'est quoi ça? Ah, panneau de contrôle. Alors qu'est-ce qu'il fait celui? Est-ce qu'il est activé? Ah ok. Donc là j'ai accès à l'ordinateur du missile. Ok. Ah, faut pirater. Alors attends. Ah oui, alors là j'ai les. Ok, ça se. Ok, ça s'affiche comme ça. Faut que je me dépêche. Ok, nickel. Interrompre le lancement. Donc là, je suis à fond côté NSA. T'es une corde là, Nord. Ok, bon, bah nickel. Oh, première mission, c'est bien. C'est fini assez rapidement. Nickel. Sam, c'est quoi ce merdier, Lambert? Je lui ai annoncé en revenant d'Islande. Ça l'a assommé. Quoi de plus normal quand on vient de perdre sa fille? Ne sera plus jamais le même. Donc
Donc, alors, voilà, donc on sait que... Là, alors, a priori, Sarah était morte. Mais on sait que, donc, vu qu'on a déjà fait conviction, on sait qu'en réalité, elle est pas morte. C'est ce qu'ils nous ont fait croire. Et vice-versa, ils ont fait croire à Sarah que nous, on était morts. Alors qu'en réalité, bah voilà, on finit en tôle. On dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Sam n'est pas mort, mais il n'est pas passé loin. Il n'avait plus rien à perdre. Alors il a accepté la pire mission de sa carrière. Voilà comment il s'est retrouvé au pénitencier d'Ellsworth. À Ellsworth, il a été traité comme n'importe qui d'autre. Ni plus ni moins. C'était loin d'être une cure de repos. Il avait vraiment l'air d'un zombie. Depuis que Sarah, sa fille, était morte. C'est dur de voir un homme perdre ainsi pied. C'est tout ce que t'as. Allez! J'espérais que cette mission lui ferait remonter la pente. C'était vital. La prison. Drôle d'endroit pour sauver la vie d'un homme, non? Ok. Bon, bah, je vous propose de continuer. Hein, parce que... Alors, grenade UM. D'accord. Temps de jeu, 11 minutes 57. Alors... Ok. Nous avons mis Sam en prison. Non parce qu'il est un voleur. 6 mois plus tard. Mais parce que sa présence y était nécessaire. L'un des détenus, Jamie Washington, est soupçonné d'être membre d'un groupe terroriste américain dont le nom est connu d'échelon 3. Nous voulions savoir quels étaient leurs plans. Et pour cela, nous devions infiltrer un homme chez eux. Voilà pourquoi nous voulions rapprocher Sam de Washington. Pour gagner sa confiance, l'aider à s'évader et le conduire dans la gueule du loup. Donc on va devoir effectivement s'évader tôle. Fisher, t'es là? C'est Jimmy. Écoute-moi bien, mec, car je sais comment nous sortir de là. Enfin, si tu veux vraiment sortir, car je doute que le tunnel que tu creuses depuis 6 mois t'aidera beaucoup. Je vous écoute. Tant mieux. Voilà le topo. Je vais faire un peu de boucan de ce côté-là. Toi, pendant ce temps, tu vas faire la même chose dans le bloc A. Où ça? Tu sais bien, le bloc principal. Ouvre les cellules pour provoquer une mutinerie. Les Furtz et McCullers feront la même chose dans les blocs C et D. Ce qui veut dire que si t'essayes de m'entuber, t'auras un paquet de mecs à tes trousses. Compris. J'espère bien. Ah. Maintenant, prends ça et mets-toi au boulot. Voilà, donc... Vous voyez qu'on a une deuxième part qui est apparue. Donc JBA. Alors, le tunnel qui est creuse depuis 6 mois. D'accord. Ok, ouvrez les cellules pour déclencher émeute. Ouais, mais alors moi je veux rester toujours du côté de la NSA. Hein. Je vais faire en sorte à rester du côté de la NSA. S'échapper de tôle, creuser un trou dans un mur pendant 6 mois, quoi. Déjà faut pouvoir creuser dans le mur. C'est ça le truc. Et donc il y a un autre blaireau là juste en dessous. Ok. Elle devrait pas être ouverte. Faut que j'envole tout le monde.
Hop là. Alors attends, il y a un ordi. Alors, sécurité. Hop là. Ok. Ok. Foutu code. Alors, vous allez dire plus d'un code. Alors, j'utilise le même code pour en. Pour en bas et l'armoire à fusil. C'est 1403. Ok. Ok, ok. Accès normal. Vidéo du bloc cellule. Ok. Nouveau système de verrouillage. Des portes. Des puces. Alors, vos uniformes contiennent des puces intégrées qui verrouillent et déverrouillent la porte. Vous pouvez passer. Mais c'est pas le cas de ceux qui n'ont pas d'uniforme, c'est simple. Ok. D'accord. Talkie-walkie. Talkie-walkie, on s'en fout. Manquant. Ouais, bah, a priori, ils sont en manque de talkie-walkie. Ok. Très bien. Du coup, là, il y a quelque chose d'intéressant. Ah, 1403. Ok. Donc, grenade fumigène. Pff, grenade fumigène, Osef. Par contre, il n'y a pas de... Il n'y a plus de fusil. Hein. RIP. Attendez, je vais me refaire une sauvegarde. Ok, très bien. Allez. J'ai cru qu'il allait me voir l'autre là. Ça va, il est parti du bon côté. Est-ce que là la porte s'ouvre pas? Est-ce que si par exemple je le prends, lui la porte elle s'ouvre? A priori ça a l'air de tirer là-bas. Yes! Ok. Très bien. Alors, c'est bien. Ah, t'as vu ma barre de NSA, elle a baissé. Alors attends. La barre de la NSA, elle a baissé. D'accord, donc en fait, faut pas que je m'occupe d'eux. Parce que du coup, moi j'ai dit que je restais côté NSA. Je le répète. Mais alors du coup, hop. On va aller voir en bas ce qui se passe. Aider déjà mis à s'évader. Alors du coup, je suppose qu'il faut pas spécialement que je l'aide à s'évader. Je m'évade moi et puis lui, il va se faire foutre. Je suis désolé, hein, mais j'ai... voilà. J'ai dit que j'étais côté NSA. Alors, là... Ok, 1403. Il y a quoi ici? Ouais, je peux rien faire. Ça, je peux casser... Ah, ben, ça doit être l'alarme, ça, alors. Ok.
je vais refaire une sauvegarde parce que le problème c'est qu'en fait mes choix vont être beaucoup ça va beaucoup avoir d'influence donc moi je trace. Et qu'ils se battent entre eux, c'est bien. What the fuck? Ah bah là, attends, il y a une... Alors, a priori, il y a une porte là. Oh, je vais aller voir ici, plutôt. Ok. Ouais, il y a quelques types au milieu de la tour de contrôle. Tu peux t'en occuper, hein. Attends, j'ai encore perdu... Mais moi, c'est pas ça que je veux, connard. Ouais, y'a que quelques types au milieu de la tour de contrôle. Tu peux t'en occuper, hein. Qu'est-ce que c'est? Sortez tout de suite. J'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Sortez tout de suite. J'entends des voix. Alors, ok. Donc là, j'en baissais. Alors, est-ce que du coup... Attends, il y a encore un endroit ici où je peux passer, viens voir. Ah mais là, ça mène nulle part. Ok, est-ce que si je monte, pour le coup... Bah, je peux pas. Ou alors, faut que je passe sans buter l'autre, là. L'autre ça va, il va... J'ai eu de la chance, il m'a pas vu. Ouais, je vais faire comme ça, viens voir. Putain, il y en a encore un là. Attends, attends, je vais re-sauvegarder. Ok. Parce que du coup, j'ai pas de... Non, j'ai rien, j'ai pas d'armes. Anti-émeute. Et alors, attends. Je vais sauvegarder. Ce que je vais faire. Regardez. Je vais sauvegarder ici. Et je vais... Ok. Je peux recharger après. Non. Ok, donc c'est que dalle. Donc là, je vais pouvoir recharger. Non. Dernière sauvegarde. Ok. Ok, alors du coup,
Ah, ouvrir toutes les cellules. Vous voyez ? Donc, fusil anti-émeute gelé, caméra. Ouais, donc je suppose que ouvrir toutes les cellules, donc du coup ça crée l'émeute. Donc c'est pas ce qu'il faut que je fasse si je veux rester du côté de la NSA. Du coup, je peux me barrer par où ? Est-ce que je peux me barrer directement ? Quatorze zéro trois toujours. Je vais quand même faire une sauvegarde ici. Par précaution. Et... Non ! Ok. Donc du coup, je m'évade sans lui. Quoi ? Mais non. Oui, oui, oui. Ok. En fait, faut que je me grouille alors. Comment que ça se passe ? Monte. Pilote, il s'est fait prendre en plus, con là. Parce que le problème, c'est qu'effectivement. Donc voilà, il s'est fait prendre. Alors, est-ce que je le laisse se démerder ? Bah voilà, tu t'es démerdé. Donc, faut que j'aille où là ? Accroche-toi, Jimmy. Je viens d'avoir une idée. Laisse tomber le mur. On va voler. Il est quoi là ? Bien. Là-haut, là. Bon, j'ai remonté un peu niveau NSA aussi. Ok. Super. Portez secours à Jamie. Sans alerte.
Ouais, oh. Ok. Ok, Sam, voilà le topo. J'ai des amis. Ils ont fondé la John Brown's Army. On va aller les rencontrer. Je peux te pistonner. Quartier si général de la GBA. Ouais. Et je pense que c'est le cas. GBA. Ok. Suis-moi, Sam. Bon, eh ben écoutez, moi ce que je vous propose c'est de s'arrêter là pour aujourd'hui et de voir tout ça la prochaine fois. Voilà, j'espère que ce début de let's play vous a plu, que cette première vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'oubliez pas comme d'habitude, hein, les petits likes, les commentaires, les abonnements. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.